Et salut à tous et bon mercredi à vous, j'espère que vous allez bien. Et oui, il n'y a pas eu de live pendant un petit moment. Moi, j'ai pas la force de faire du live pour le moment, donc du coup, j'en ai pas fait. J'ai plutôt profité d'aller voir des amis qui faisaient du live et essayer de me reposer le plus possible. Je suis fort fatigué pour le moment, et donc du coup, un peu du mal à jouer et à faire des lives quoi. Pour le moment aussi, je suis beaucoup sur Final Fantasy. Vous aurez sûrement des vidéos prochainement quand je serai plus haut level et que j'aurai réellement décidé d'acheter le jeu, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Et les amis, aujourd'hui on va se retrouver sur une petite découverte. J'ai eu la possibilité d'avoir Tom Clancy's Division gratuit, et donc j'ai sauté dessus et je l'ai pris, je l'ai reçu gratuitement, et je me suis dit pourquoi pas faire une petite découverte sur le jeu vu que je n'y ai jamais joué. J'ai jamais joué à The Division. J'ai des amis qui ont joué, mais moi-même j'y ai jamais joué. Alors attendez, je suis en train juste de... Putain, j'aurais dû faire ça hors live. C'est toujours hors live qu'il y a ces problèmes. En train de configurer le clavier pour pouvoir y jouer correctement. Hein. Toujours malin le petit John. Hein. C'est toujours l'idéal, quoi. Ah, merci. Alors, on va lancer le jeu et on va passer directement en direct. Le souci est que... voilà. Il y a un écran noir déjà dehors. Parce que j'ai, en fait, j'ai pas configuré le jeu. Je l'ai pas, il est, enfin, j'ai pas mis la configuration. Faut remettre ça, la capture d'écran. Je suis pas fan de mettre une capture d'écran. Je préfère réellement mettre le jeu. Mais pour pouvoir justement mettre le jeu, il faut déjà qu'il se lance. Et donc, s'il ne se lance pas. Je vais avoir du mal à vous le montrer. Parce qu'en fait, il y a une cinématique dès le début. Alors, est-ce qu'il me prend... Putain. Ouais, ok. Ah putain, pourquoi tu me le mets en petit écran, bordel de merde. Ah, dégage, 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 dégage. Non, mais c'est quoi ce bordel? Ah, mais pourquoi tu me le fous en petit écran, trou du cul de service? Oui, mais ça, je m'en fous. Pourquoi tu me le mets en petit écran? Tout à l'heure, il est en écran plein et là, il me met plus en plein écran. Allez, on referme le jeu, on le relance. Allez, dégage. Alt F4. On va pas m'emmerder 10 ans. Hein. Bon, en tout cas, salut YouTube. J'espère que tu vas bien. Tu vois toujours des soucis pour jouer. Incroyable, hein. Toujours. On a toujours des problèmes pour jouer. La configuration du clavier, la configuration du live, hein, tout ce qu'il y a à faire, oh, c'est catastrophique. Hein. Ah, du coup, là, le jeu est en train de se lancer en espérant qu'il se mette en plein écran cette fois-ci, qu'il se mette pas en petit écran. Sinon, bah, je vous le laisserai en petit écran le temps de la cinématique. Il y a une cinématique, c'est pour ça que j'ai lancé le live avant que le jeu soit lancé. Parce que je sais qu'il y a une cinématique. Et non, il veut vraiment pas me le foutre en plein écran. Putain de truc à la con, vraiment de la merde, ce bazar. Bon, bah, vous allez l'avoir en petit écran. Ouais, c'est pas de ma faute. Alors, on refait les configurations, c'est ça que j'ai fait en fait, et que j'ai remarqué que. Qu'il y avait, voilà, une cinématique. Désolé pour le petit écran. Ah, je peux vous le mettre en tout petit si vous voulez. Je sais pas ce qui m'a fait le jeu F11. Sachez que vous allez pouvoir rester au Donc, lycée. Les habitants de toute la région vont se rendre en ville à l'occasion de ce vendredi noir. Meilleur chiffre de... Avec plus de 140 plus de 9000 magasins à partir de ce vendredi, plusieurs millions de dollars en espèces. Ah ouais. Découvrez des pourquoi pas? Avec plus de 140 millions d'Américains attendus en magasin. Cette année, la saison de la grippe va commencer. Cette maladie semble être une variante inconnue de la grippe, ce qui a surpris de nombreux experts. Restez avec nous pour plus d'informations.
C'est le Covid. Nous prenons notre flash spécial. Plusieurs cas de variole. Une épidémie de variole constitue un scénario bien rodé. Et des unités de la garde nationale se dirigent vers un hôpital du... La variole représente une menace plus que le sida, plus que qu'Ebola. Que les stocks de vaccins ne que soient les pas choses soient claires. Il n'y a aucune raison de paniquer. Une ville tout entière coupée désormais du reste du monde. Sous le nom de Poison Vert, Central Park a été transformé en fausse commune. Il y a des coupures de courant, des fuites de gaz, des incendies. Et le gouvernement ne semblait pas avoir ses ressources disponibles. Une nuit de pillage. Les habitants de New York aux abois. Ils étaient où les flics? On a un incendie au croisement de Houston et Pitt. Nos secouristes sont soit morts, soit ils essaient d'assurer la sécurité de leurs proches. Comme des animaux. C'est pas notre boulot, on n'a pas été formés pour ça. Quand on a été activé, on savait que la situation était grave. Mais c'était encore plus grave que ça. Nous sommes des agents, des soldats d'élite dormants hautement spécialisés. Nous répondons à un appel lorsque tout le reste a échoué. Nous n'avons pas de règles. Nous n'avons pas de limites. Notre mission, sauver ce qui reste à sauver. Nous sommes vos collègues. Nous sommes vos voisins. Et parfois même, nous sommes vos amis. Mais lorsque vient l'appel, nous laissons tout derrière nous. Et nous devenons la division. Ça y est. Je pense que je vais pouvoir contrôler mon perso. Alors. Ça y est. Alors on peut jouer une femme. On peut jouer un homme. On joue un homme, non? Pardon. Elles sont vraiment moches les lunettes. On va pas en mettre. Alors, découverte du jeu. Intelligent System Analytic Computer activé. Okay. Confirmation, tout système Isaac opérationnel. Ouais, on s'en fout. Paramètres. Vidéo. Rejoignez le marqueur pour lancer la vérification de l'armement. Voilà. C'est plein d'écran. Magnifique. Bon, les touches, on verra bien au fur et à mesure du style. Appuyez sur espace près d'un abri pour vous mettre à couvert. Ok. Je vais aller par où? Ah, j'allais par là. Est-ce qu'on peut courir sur ce jeu? Est-ce qu'il y a une touche pour courir? On n'a pas l'air d'avoir une touche pour courir pour le moment. On va se mettre à couvert. Lancement du test de l'armement. Tirez sur les cibles en surbrillance. Tirer sur les cibles en surbrillance. Sur ça? Test de l'arme principale. Réussite. C'est TRL. Ok. Appuyez. Oh putain, c'est déjà... il y a déjà trop de boutons. Lancement du test de l'armement. Tirez sur les cibles en surbrillance. Ah ok. Test de l'arme de poing. Réussite. Bienvenue agent. Je suis Louis Chang, commandant de la division pour la section nord-est. La raison de votre activation est le haut niveau d'instabilité dans lequel se trouve Brooklyn aujourd'hui. Isaac nous a communiqué votre progression. Rendez-vous au refuge le plus proche pour récupérer votre équipement. Alors, bon, on va suivre la logique du jeu, hein. Alors, j'y ai jamais joué, parce que ça m'a jamais...
tenter de jouer à ce jeu-là. Et coucou la Cortana. Agent, j'ai eu confirmation de l'arrivée de votre camarade Phalo. Retrouvez-la une fois que vous serez à l'intérieur. Très bien. Alors, c'était RL pour sauter au-dessus. Bah ouais, bah tu restes... en fait, tu restes espace. Et après, tu auras plus espace en fait. Espace, espace, quoi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Ouais, le premier, ouais. Vous entrez dans une zone de sûreté. J'y ai jamais joué. Perdre tout le quartier. Les émeutiers ont franchi les barrages et ils se dirigent par ici. Alors il faut tenir cette position. Je vois que quelqu'un d'autre a reçu l'appel. Agent Phalo, division. J'ai été activé en même temps que vous. On fait partie de la deuxième vague. Été activé en même temps que... Je sais pas ce qui est arrivé à la première, mais j'ai l'impression qu'il nous reste encore pas mal de boulot à faire. On n'a pas beaucoup d'infos et on peut pas se permettre d'échouer. Manhattan est en confinement total et Brooklyn ne tardera pas à l'être. Que les gens sont comme moi, très et ouais, comme on vous, verra bien. C'est tout ce qui reste pour tenir le front. J'ai jamais ce joué. Ce que vous souhaitez, c'est d'en savoir jeu. Un peu plus quand on aura retrouvé le commandant. En savoir plus que ça sur va la donner. Situation, comme sur ceux qui transforment la ville en zone de guerre, et sur tout ce qui nous permettra de faire notre boulot au mieux. Si vous voulez bien m'excuser, lieutenant. Le Major Hazen et son équipe gèrent les rapports de situation. Si vous cherchez un coin où ça chauffe, c'est eux qu'il faut aller voir. Validez votre activation terminale pour officialiser votre statut opérationnel et activer votre équipement. Identité confirmée. Équipement SHD activé. Vous faites ? Vous avez des compétences disponibles. Appuyez sur L. Alors, des compétences sont disponibles. Compétences étant de votre possibilité grâce à de nouvelles options tactiques. Équiper un équipement avec espace et E pour utiliser une compétence. Ouais, quoi. Une bombe qui se colle aux surfaces puis explose ce que ça déclenche. Équipe un bouclier balistique portable qui apporte, qui absorbe les dégâts l'utilisateur ne peut utiliser que son arme de poing tant que le bouclier est activé. On va prendre ça là. Ah ok, donc t'as A et t'as le E, ok. Échappe. Appuyez sur E pour utiliser votre compétence utilisée. Ouais, bah j'appuie. Ah mais non, c'est pas E. Attendez. Il faut la reconfigurer le clavier, je suis désolé. Désolé YouTube, désolé les gens. Quand il y a un nouveau jeu, bah, il faut faire un nouveau ajout pour le clavier, il faut renommer l'ajout, il faut faire le clavier, il faut le configurer. Oh, c'est casse-couille à faire. Bon, pour avancer, c'est, je pense que c'est les trucs de base. Désolé YouTube, on commence à avoir l'habitude avec moi. Là, espace, là on met le R. Là on va mettre le E. Et on va mettre le F. On verra pour la suite des configurations des touches. Alors j'ai appuyé, j'ai le E. Du coup, ça fait rien le E, ouais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Aider, ouais, officier. Bon, c'est à lui, je suppose, que je dois faire un rapport. Content que vous soyez là, agent. J'ai jamais vu Brooklyn comme ça. On a vraiment du mal à s'en sortir. Je serai votre point de contact pour toute opération d'urgence. Ouais, ouais, ta gueule. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça manque pas d'action ici. Bon Dieu. À ce rythme-là, je vais finir avec un ulcère. Voilà. Bon, ça devrait être bon pour avoir configuré les premières touches. Sélectionnez une mission. Hein? Non, c'est du matchmaking ça. On peut faire du matchmaking, moi. Sélectionner une mission. Qu'il faut faire? Qu'il faut faire, Tichal?
faut vraiment aller là-dedans? Oh non, moi je veux pas jouer avec des gens, hein, je veux jouer en solitaire. Je peux pas louper ça. Bonjour monsieur. Ouais, donc ça c'est ce que j'avais plus ou moins vu. Mission secondaire. Ouais, la mission principale, elle est où? Je suis obligé de faire du matchmaking, c'est sérieux le jeu? Je suis obligé de me taper d'autres joueurs, mais j'ai pas envie de jouer avec d'autres joueurs, moi, qu'ils aillent se faire foutre le jeu, là. Mais je veux pas. Mais quel jeu, quoi. Au début, tu dois faire une mission coop. C'est un tuto. Oh putain. Oh, que c'est chiant. Bah ouais, mais j'ai pas envie de jouer avec des inconnus, quoi. Je les connais pas, les types. J'ai pas envie de jouer avec eux, quoi. Confirmé. Pharo 5 est sur place et prêt à attaquer. Non mais... médicaments à des gens qui en ont vraiment besoin. Vous faites quoi maintenant? Appuyez sur eux. Les objets volés dans votre terre. Appuyez les chapes pour équiper les objets volés. C'est ça. Salut. Ça y est, j'ai fini sa mission. Qu'est-ce que c'est que ce jeu de bras? Je comprends. Ah putain. J'imagine que c'était important. Que dalle, ouais, j'avais le micro qui était activé, ouais. C'est juste pour une mission, t'inquiète pas, t'es pas obligé de leur parler. Mais je dois faire quoi? Il me dit de sélectionner une mission, le jeu. Ah bah attends, en plus il faut que je mette CTRL dans les configurations du clavier. Putain. Je sens qu'on va avoir qu'une partie YouTube du jeu. Ah ouais, je me rappelle pourquoi j'y jouais pas. J'y comprends que dalle. Faut faire quoi, bordel de merde?
Ah voilà, ça y est, une mission. Restaurer Brooklyn, sauver les civils. On peut courir sur ce jeu, ça existe? Ah oui, il y a une touche pour courir, ok. On attend pause. Clavier. Voilà. Je suppose qu'il y a une touche aussi pour s'accroupir. Ah non, il n'y a pas de touche pour s'accroupir. Agent, on nous a signalé une prise d'otage dans une banque du quartier. Vous allez devoir passer par le tunnel du métro pour y accéder. Rendez-vous sur place et faites votre possible pour limiter les dégâts. Attention, présence hostile détectée. Putain, mais. Wow! Mais. What the fuck, c'est quoi ce jeu de bras à la 6-4-2, ouais? Mais c'est un jeu de merde! Ah, excusez-moi, YouTube, mais. Mais putain, quoi! Et tu vas me dire que ça c'est le tuto? Waouh, je comprends pourquoi j'y jouais pas. Franchement, je comprends réellement pourquoi je jouais pas le jeu. C'est le soin. Grenade, c'est G. En plus, t'as vu les armes de merde que j'ai. J'ai à peine tiré sur le type, j'ai mis tout dans la gueule et il a rien pris comme dégâts. C'est une blague ou quoi? Ah, mais...
Mais putain, mais ils mettent de cette tête, c'est incroyable quoi. Le trou du cul, il s'est mis hors ligne, mais j'ai dit, ah putain, il va me péter les couilles ce jeu. Ah, pourquoi je ne supporte pas jouer en multi avec des gens, quoi. Ils savent, ils jouent pas, quoi. Putain, on est trois, il y en a un qui a déco, quoi. Il est mort, il a déco. Allez, sérieux, va t'acheter un putain de cerveau, mec. Hein. Putain de mongole de service, quoi. Ah là, ça me casse déjà les couilles ce jeu. Et en plus, j'entends l'autre bouffon, j'entends sa voix, j'entends chez lui, quoi. Comment je fais pour lui faire fermer sa bouche à cet enfoiré, là? Vas-y, ta gueule. Putain, quoi. Excusez-moi, YouTube, hein, mais là, il commence déjà à me casser les couilles, le jeu. Je comprends pourquoi je l'ai jamais acheté. Avec l'autre bouffon qui s'est pas éteint son micro et qui reste où il est, et l'autre bouffon qui s'est déconnecté, quoi. Putain, oh, des trous du cul sur ce jeu, je le sens que ça me prend de la tête. Ils vont chier, tu vas voir. C'est, en tout cas, c'est pas grâce à eux que j'ai su maîtriser la situation. Hein. Putain, l'autre bouffon qui reste dans son coin. C'est quoi ça? Ah, on peut ramasser les armes. Merci. Vous l'avez mérité. J'étais mort de trouille. Merci. Il faut que je parte d'ici. Vient de quitter votre équipe. Ouais, bah qui se barre, c'est un bouffon. Vas-y, dégage aussi, toi. Voilà. On va prendre la session en mode solo. Oh, j'aime pas jouer avec des gens. Oh, je préfère jouer tout seul, quoi. C'est beaucoup plus marrant. Le jeu sera sûrement plus dur, mais à mon avis, ce sera beaucoup plus marrant de jouer tout seul que de jouer avec des gens. Bon, en tout cas, j'ai une arme de merde. J'ai pas eu une nouvelle arme? Si, là. Ah, 1300 DPS, c'est mieux. Agent,
agent. Des émeutiers ont volé le stock de rations du centre de distribution de Brooklyn Heights. Ils vont sûrement chercher à les revendre. C'est un vrai scandale. On peut pas les laisser se remplir les poches sur le dos de gens qui souffrent. Faites quelque chose. Caisse de ravitaillement localisée. Pas louper ça. Vous avez retourné mon bloc et le podcast Radio Pirate comme par hasard. Dites, vous avez entendu parler de la GTF, vrai? La Joint Task Force. Ces gens ont le fait que vous pouviez les ambulanciers les cartes nationales. Comment je suis censé faire? Faire un rapport de progression à l'officier. C'est lui l'officier, quoi. Je suis comment je suis censé faire ton rapport? Excellent travail, agent. On peut dire que vous avez sauvé pas mal de vies. Je vous conseille de revenir par ici. Il y a un petit quelque chose qui vous attend. Je crois que ça va vous plaire. Ah oui, mais ça fait rien. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve déjà. Le jeu est en train de me saouler là. Alors, on va jouer 10 minutes et je vais me barrer, ça va me prendre la tête quoi. Je vais faire un rapport à ce trou du cul de service, mais... J'ai de refaire du matchmaking. Je loupe quelque chose là. Je vais me taire. Allez, dis bonjour mes petits copains. Je risque d'être mal poli. Comment je suis censé faire mon rapport? Je suis obligé de me refoutre en matchmaking pour pouvoir rendre la quête. Grenade.
Oh! Ici le commandant de la division. On a un agent prêt à intervenir au niveau de la 84e, mais toutes les entrées sont bloquées. La division, c'est la meilleure nouvelle que j'ai eue ce mois-ci. Essayez le parking à l'arrière. Vous avez entendu, agent? À vous de jouer. Bonne chance. Là, ça a l'air d'aller. Putain, mais sa mère. Merci.
Attention, élément hostile détecté. Mettez-vous à couvert, hein, bande de... Alerte, agent allié en difficulté. Et ouais, c'est... Attention, élément hostile à proximité. J'ai plus de munitions.
Excellent travail, agent. Brooklyn est à nouveau sous contrôle. Mais Manhattan, c'est une autre histoire. D'autres agents sont déjà avec moi. Une fois qu'on vous aura rejoint en hélicoptère, vous et l'agent Lowe, on se rendra sur place pour évaluer la situation. Commandant Chang, terminé. Ok. Vous allez où ? 16 mètres. T'es nul. Oh, ouais, on va se calmer, hein, ça va ? Tu veux te battre ou quoi ? Tu veux que je te casse la figure ? Oh ! Je suis pas misère avec moi, hein. Si c'est une blague, c'est pas drôle. Bon, faut aller où ? Un agent quitte votre équipe. Allez à Manhattan. Allez quoi, pourquoi tu veux pas s'ouvrir? A mon avis, c'est pas nous, c'est le chef qui doit lancer. C'est qui le chef? Comment vas-tu, Alex? Ben c'est là qu'on doit aller. Allez à Manhattan. Ah, oh, ce jeu me prend la tête. Ça va. C'est lui qui doit lancer, je pense. Non ? Mais comment on fait pour ouvrir ce truc de ces morts là ? Putain de jeu de merde, ouais ! Il dit rien, il dit pas oui tu peux pas parce que t'as pas le level, il dit rien du tout. Tout quoi. Ah mais c'est qui l'hôte? C'est proba. C'est lui l'hôte. C'est lui de moi qui doit l'ouvrir. Ah putain, ah, on est tombé sur un mongol. Come here. Ah, let's go.
ouvre-toi, putain de porte. C'est moi le chef. C'est vraiment un jeu de merde. Putain. Là, je peux pas ouvrir la porte. Ah ce jeu qui explique que dalle. Ah bordel de merde quoi. Comment on peut jouer à des jeux pareils? Je sais pas comment vous faites les gars, pour ceux qui sont sur YouTube, pour ceux qui y jouent. Je ne sais pas comment vous faites pour jouer à un jeu, putain, y'a rien qui est expliqué, bordel de merde quoi. Ouvre-moi cette putain de porte, jeu de merde. Putain, je vais te foutre dans le cul ta porte, ouais. Ah c'est vraiment... Franchement, plus j'y joue et plus je comprends pourquoi j'y ai jamais joué. Franchement, putain, plus j'y joue et plus je comprends pourquoi j'y ai jamais joué, quoi. Ouais, jeu, vraiment, exploser ton écran, quoi. Franchement, c'est un jeu qui va te faire... Je vais faire exploser mon écran avec ce jeu de merde. Y'a rien n'est expliqué. Que dalle. C'est expliqué comme de la pisse de chat, quoi. Agent, des émeutiers ont volé le stock de rations du centre de distribution de Brooklyn Heights. Ils vont sûrement chercher à les revendre. C'est un vrai scandale. On peut pas les laisser se remplir les poches sur le dos de gens qui souffrent. Faites quelque chose. Je sais vraiment pas comment vous faites. Caisse de ravitaillement localisée. Zone sécurisée, ennemi neutralisé. Mais évidemment que l'ennemi est neutralisé. Il était mis. Attention, force ennemie en approche. Surprise, motherfucker. Surprise, motherfucker.
Prime, motherfucker. Merci. Tu veux un bisou? Ouais, je te fais un bisou. Ouais, faut aller où? Confirmation. Ravitaillement marqué pour extraction. JTF informé. Super boulot, agent. On va pouvoir distribuer ces rations à des gens qui en ont besoin. Surprise, motherfucker. Ah, t'as pété les plombs, mec. Oh, il convient, ouais. T'as envoyé 60 bytes. Merci pour tes bytes. Merci bien. C'est un méchant, ça. J'ai vu un homme là. Non, c'est pas méchant. Pour tes bytes, pour tes 60 bytes. Et c'est là que je comprends pas. Vous êtes sur le point d'entrer dans une zone de sûreté. Voilà, là je peux faire un rapport. Vous avez réussi à éviter le pire. Ah, tout à l'heure, je pouvais pas. C'était mal parti. On vous doit une fière chandelle. Personnellement, j'ai vécu à Brooklyn toute ma vie, alors je peux vous dire que ce que vous avez fait, ça représente énormément pour moi. Ok. Content de le savoir. J'ai mis le chemin. Attention, vous allez quitter la zone de sûreté. J'ai pas mis un chemin ? Ah non, la mission est terminée en fait. Faut que j'aille là en fait. Ok. Bon allez, je te laisse, à plus. Ok, bisous, bisous. Merci beaucoup. Merci pour ta bite. Ça fait déjà une heure que j'ai sur le jeu. Bah putain, j'ai du courage, hein. Il y a 2 km, mais c'est méga loin.
Ah ça y est, j'ai le transfert à Manhattan. Est-ce que ça a fonctionné cette fois-ci? Est-ce que je vais savoir me transférer à Manhattan? Oui, sans problème. Je sais pas pourquoi ça buguait. Que je quitte le groupe et que j'aille tout seul là-bas pour que ça fonctionne. Ouais, je trouve qu'il est très mal expliqué le jeu, franchement. Par là. Il y a un bar derrière cet immeuble. Ils servent les meilleurs cocktails de Manhattan. Si on reprend la ville, je vous promets que je vous paie un verre. Après, enfin, c'est mon point de vue, bien évidemment. Quand on aura repris la ville. Ah, le voilà. Le reste de l'équipe devrait être dans cet hélico. J'arrive pas à croire que ça arrive enfin. On y va. On m'a toujours dit, les amis, que pour un jeu il fallait se forcer à jouer. Le début d'un jeu était toujours difficile, bien évidemment. Donc nous allons continuer à jouer en espérant que on arrive enfin à comprendre le jeu, parce que pour le moment j'ai pas compris. Tout à l'heure j'ai été, je devais aller rendre la quête, je pouvais pas la rendre. J'ai lancé une mission, je pouvais pas aller à Manhattan. Je quitte le groupe, je peux rendre la quête, je peux aller à Manhattan. Ouais. Mais encore. J'arrive pas à croire que ça arrive enfin. Oh. Cinématique. Mission accomplie, agent. Toujours là, la cortina. Le voilà. On y va. Ils servent les meilleurs cocktails de Manhattan. Me lâchez pas maintenant. J'ai besoin de vous. Pardon. Quand on aura repris la ville. Hé ! Allez, tenez bon ! Ouais, j'ai... Hé ! Débloqué un succès. Allez, tenez bon ! Après, c'est peut-être le tuto qui fait en sorte qu'on n'a pas beaucoup de choix. On va voir, hein, on va tester. Hein. Me lâchez pas maintenant ! J'ai besoin de vous ! Piqûre d'adrénaline et ça va quoi. Bon, ça va, vous allez vous en tirer. Je crois même que vous êtes en meilleur état que moi. Et merde, le commandant a pas survécu à l'explosion. Nous, on a une mission et on l'accomplira coûte que coûte. On arrive dans une minute. Vous devriez voir le point d'atterrissage sur ma droite. Ce divisieux. C'est bien ça, c'est le tuto que je vais te faire, donc comme on a j'en dit, sais déjà un petit peu plus sur la première vague. Certains sont morts et les autres sont portés disparus. Il ne reste plus que nous deux. C'est pour ça qu'il va falloir faire ça en équipe. Il n'y a aucune autre solution. JTF 6-8 à tour. Hudson en visuel. Ouais, j'ai deux agents de la division à bord. L'explosion, c'était leur hélico. Ok, prêt pour l'atterrissage. JTF 6-8. Normalement, il faut attendre avant d'être certain de pouvoir compter sur quelqu'un. Mais là, j'ai pas le temps. Je dois vous faire confiance, j'ai pas trop le choix. Ouais. Et j'espère que j'aurai pas à le regretter. Ouais. Ouais. Bienvenue au pied du Hudson. Je sais vraiment pas ce que vous venez chercher ici. Tout ce qu'il y a derrière cette barrière, c'est une putain de zone de guerre.
Qui commande les opérations ici? Capitaine Benitez, je dirige l'évacuation du Madison Square Garden. On a perdu le contact avec son escouade ce matin. Si on n'a pas de nouvelles, on évacue. Je veux pas entendre parler de repli. On va reprendre la ville. Emportez tout ce dont vous aurez besoin. Je vous rattrape dès que je peux. Alors bonne chance. Vous allez en avoir besoin. Incroyable. Ça y est. Accès à ce menu via l'onglet pactage à côté de la sauvegarde, combinaison, matériel et talent. Ouais, ouais, les modes d'armes. Ouais, 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 ok. C'est moi qu'il faut emmener. Emmenez-moi. Je suis blessé. Je pense qu'il faut aller par là. Je dois aller voir l'officier de la GTF. Waouh. Il y a un marchand. Bonjour. Ah ouais, ouais. Ah. C'est pas très grave. À bientôt. On peut te vendre des trucs? Attends. Ah oui, je peux lui vendre des trucs. Mais ça, ça se vend que dalle, ouais. Désolé de vous donner encore du travail, mais on est tous débordés ici. Ah, je dois sélectionner une mission, ça y est. Alors, allez à ma réserve. Tu peux acheter des lunettes. Non, par exemple, acheter ça. C'est bon, marché conclu. Et du coup, quoi, mon arme alors Ok. Et bonne chance à toi.
Pardon. À leur discrétion. Ouais, c'est ça qui est chiant. C'est qu'il n'y a rien qui est affiché. Donc tu dois chercher toi-même où tu dois aller. C'est chiant. On doit sortir, hein. On va essayer de continuer, on va essayer d'apprendre à jouer. Voilà. Ça sert à quoi d'avoir mis ça sert à rien en fait, attends. Zoomer un peu, mais pas plus que ça, quoi. Je voulais pas vous déranger. Bon, c'est spécial, hein. Ah, tu gagnes de l'XP quand tu passes des trucs, ok. Des criminels ont monté un avant-poste sur la 29e ouest. Il faut le reprendre. J'ai rien entendu. Tu veux aller jeter un œil? Mon cul, ouais. Tu veux que je me fasse descendre? Ils sont... Oula, oula, ouais. Ah putain. J'ai plus de soin. Plaisir, si j'aurais compris ce que j'ai fait. Ben.
s'approche de notre position. On est bloqué. Il est où notre backup? J'ai personne à vous envoyer. Ah, donc en fait, c'est des missions comme ça que tu dois faire, quoi. Tu sélectionnes tes missions et... Pourquoi pas. Bien. Oh, il faut faire quelque chose. Voilà, il cambriole une bagnole. Dégage. Je t'ai vu, hein. Espèce de délinquant. Tire-toi une balle. Voilà, tire-toi une balle. C'est réglé. C'est pas grave, je vais aller. Après, je suis dans le mauvais chemin. Est-ce que je pourrais tourner à droite? Oh, j'espère que je vais pouvoir tourner à droite, hein. Unités, allez à l'angle de la 8e et 24e ouest. Une patrouille se fait tirer dessus. Allez, allez, on continue! Allez, vous faire! Ils sont en train de dépasser la ville! Attention, force hostile en approche. Bordeaux en approche! Putain, ils ont peut-être lâché du truc. Je sais pas du tout où je suis en train d'aller. Où est-ce que je suis? Il y a plusieurs ennemis qui s'approchent. Il y a
plusieurs ennemis qui s'approchent. Désolé, vous auriez une minute? On a un petit problème. Quelqu'un s'amuse à faire joujou avec nos antennes. Et je suis sûre que vous vous y connaissez en antenne, vous. Vous pourriez m'arranger ça? On peut leur piquer leur arme, eux, non? Ce n'est pas de risque inconsidéré. Ah, oh, vous en faites pas. C'était dangereux, il y avait un chien. Je sais jamais comment il réagirait. Il viendra m'attaquer. Allez, saute! Mais comment je suis censé... Ah, ok. Voilà. Eh ben, vous avez pas perdu de temps. Tout fonctionne maintenant. Oh, si seulement mon petit Benny était aussi débrouillard. Ah, j'ai un schéma d'escarrage. Très bonne arme. Alors, attends, j'ai un meilleur sac. Thank you.
Mais de moment, je suis censé avoir la tenue, par exemple, de Splinter Cell. Ah, je l'ai. Ça, par exemple, je l'ai. Mais comment on fait pour le récupérer? Ah, ça, je l'ai aussi, mais... Je crois que si je saute, je meurs. On va pas tester. On va redescendre. C'est tout? Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Balise d'écho actif détectée. La gueule, le chien. Tenez! Faites-les durer, d'accord? Cette nourriture est à nous maintenant! Alors vous posez tout ça par terre et vous vous barrez. Allez, Arasto, on va au Garden. Et vous faire quoi ici? Oh putain. Ah
relevés indiquent que cette zone est sûre. Oh putain, ils m'ont renvoyé super loin. Il y a plusieurs ennemis qui s'approchent de notre position. On est bloqué. J'étais juste à côté, quoi. Attention, vous quittez la zone de sûreté. Une heure 37 déjà. On va se tabasser, hein? Avec ça? Je croyais qu'il défendait quelque chose. Allez, qui c'est mais c'est... Vous avez vu le chat, les gars? Franchement, c'est quoi cette mentalité des gamins de 5 ans, là? C'est le chinois qui s'y met. Oh putain. Ah, c'est des trucs payés en plus. Voilà. Ah, menace trouvée 2. Tête sa mère.
Non mais... Mais... Fils de merde. Salut Maxime. Ça va bien? Putain, j'aurais le cul de recommencer à chaque fois au même endroit, quoi. Ah, ça commence à me prendre la tête, ce jeu-là. Qu'est-ce qui m'a pris de lancer une putain de découverte sur ça, quoi. Sérieux. Comment vas-tu, Maxime? Attention, vous êtes sur le point de quitter la zone de sûreté. Attends, j'ai vu qu'il y avait une course auto sur ce jeu. On va aller jusqu'à mon poids, on va arrêter d'essayer de se battre là, parce que c'est comme ça, on prend de la tête. Je crève à chaque fois pour une connerie, c'est incroyable. Alors... Bah, c'est pas que j'aime pas en fait. Actuellement, le seul truc que je retiens, c'est que t'as des Japonais qui font, voilà, qui font du spam dans le chat. Que le trois quarts des gens, enfin le trois quarts des gens que j'ai vu parler sur le chat, c'était que des insultes. Je sais. Je cherche pas à me battre. C'est vrai, je peux être sympa à deux. Moi, y a pas de souci. Jouer à deux, c'est encore mieux. Mais tout seul. Et quand tu groupes avec des gens, le trois quarts, le mec il reste au même endroit, il bouge pas quoi. Donc quand tu dois faire ta quête tout seul, c'est un peu casse-couille quoi. Donc oui, ça m'énerve. Vous m'avez redonné la foi. Ouais, bah moi je vais vous mettre là. Mais putain, mais c'est par là que je vais aller là. Regarde, comme ça. Spam dans le chat quoi. Et quand il n'y a pas de spam, les gens s'insultent quoi. Il est tout seul. Oh merde. Après, si t'as le jeu, on peut jouer à deux, hein. Y a pas de soucis. Hein. Ça me permettra peut-être de jouer correctement. Enfin, de jouer réellement. Comment je fais pour annuler ma grenade? Ah, voilà. Non, c'est la version, la vraie version. Je l'ai reçu gratuit. Moi j'ai c'est la version la vraie version quoi. Mais attends, si tu veux viens sur Discord.
quand même dans un endroit. Oh. Et mode c'est F. Discord si tu veux. Ah c'est bien, ça ferait un jeu qu'on pourrait jouer tous les deux quoi. Bonjour. Et ah, salut Maxime. Attends, on repasse au-dessus de suite. Voilà. Et comment on va? Ça va et toi? Bon, écoute, ça va. Quand j'arrêterai d'avoir des bouffons qui m'énervent sur le jeu, ça ira. Mais là, les ennemis, ils ont l'air de faire trop mal là où t'es. Mais ouais, je sais pas pourquoi, c'est. T'as pris 2-3 balles, tu t'es presque fait coucher quoi. C'est quoi ça? Store. Mais ouais, mais je suis pas à combien il est sur Uplay en fait. Je pensais qu'il y avait une version gratuite, la version trial, je pense que tu peux pas jouer beaucoup, genre. Mais t'as les deux. T'as pris le jeu gratuit, non? Non, j'ai pas pris le jeu en fait, je sais pas du tout où il est. Ah, il était gratuit pendant un moment sur Uplay. Ouais, bah je savais pas. Puis j'ai le 2 moi de toute façon, donc j'ai pas. Ah ouais, t'as le 2 toi. Hop, si je veux pas jouer au 2, si. Je connais déjà pas le 1. Oh bah, elle est sur le standard, elle est à 2 sur. Elle a quoi? Elle est à 2 sur. Ouais, si je regarde peut-être sur Instant Living, elle est peut-être encore moins chère. Instant gamin. Bon, moi je prends tout ce que ça drop. 7,61€. Bon, ça va. Allez, sur l'autre, elle est à 9, c'est ça? 9,90€. Enfin, 10 quoi. Ah, c'est quoi ça? Ah, j'ai eu un guide de survie. Ah, il y a un sac! Qu'il y avait dans le sac à dos. Ouais, bah écoute, tiens. Comment ça complet? Le sac à dos est complet? Mais t'es sûr d'y jouer, hein, du coup? Ouais, ouais. Mais si tu joues avec moi, ouais, je jouerai avec toi, ouais, pas de soucis. On peut faire tout le truc ensemble. Ça permettra en plus de rejouer. Ok, j'ai une bouteille d'eau. Une barre de chocolat, ok. Une grenade. Et ça, pourquoi c'est complet? Ah, c'est des. Ah non, c'est les munitions, ok. Si j'avais su, je t'aurais envoyé le message pour dire qu'il était gratuit. Ouais, j'aurais bien aimé jouer avec toi, c'était sympa. Bon, le jeu a l'air sympa, mais jouer en solo, ça a pas l'air trop de ça, quoi. Bah, c'est pas ultra fun quoi. Donc, et quand tu t'es en groupe, comme je l'ai dit, hein, tout à l'heure, tu tombes sur des mongols qui ne font rien. Voilà. Mais ils respawnent comme jamais, les mobs ici. Pardon. Là, ton aide, hein. Tu dois l'installer aussi alors. Ouais, il est lourd. Mmh, il fait 40 gigas. Ah ok. Une quarantaine, ça je pense.
Bienvenue au service d'assistance téléphonique de Pricer House. Suite aux récents événements, nos magasins situés à New York et en périphérie seront fermés jusqu'à nouvel ordre. Veuillez nous excuser pour la... À toutes les unités disponibles près de Chelsea, le CERA demande qu'on scanne la zone de quarantaine de la 24e Ouest. Soyez très prudents, cette zone n'est pas stérile. Je répète, zone non stérile. Attention, les relevés indiquent que cette zone est contaminée. Alerte, lancement de l'analyse de contamination. Vous êtes en train de quitter la zone de contamination. Ferry, on me dit que la zone est contaminée, mais... Oui, en plus j'ai un délai pour le faire. Je pense que je dois monter l'étage. Je retrouve les machines, mais... Trouver et activer les scanners de virus. Bon, je veux bien, mais... Ah, il y en a un là. Alerte. Lancement de l'analyse de contamination. Ouais, j'en ai 2 sur 3, mais il m'en manque un. Sur le point d'entrer dans une zone de contamination. Avance pas trop dans... T'es niveau combien là? Je suis que niveau 4. Avance pas trop dans le truc, comme ça on sera dans le mur. Ouais, pas de soucis. Je cherche juste la dernière boîte. Je vais le mettre à télécharger là. Ah, ici, voilà. Lancement de l'analyse de contamination. Transférer les données dans le cloud. Téléchargement. Il dit que je dois monter. Vous allez quitter la zone de contamination. 47,88. De quoi? 47,88. Non, ça va encore. Ouais, ma connexion est pas très stable, je suis sur le coup. Moi, ça a l'air, j'étais branché directement là. Si j'étais branché directement à la boîte, il irait super vite. Et vu que je suis en CPL, on sait quelle heure. C'est pour... C'est marqué dans 1h14. Ça va. Ce que je vais faire, c'est que je vais terminer la mission ici, je vais stopper le. Le direct et je reprends une fois que t'as fini de télécharger. Allez, Inch'Allah, comme disaient les Bretons du Sud. T'as envie juste de faire cette quête. Voilà. Bah, du coup, on peut se TP à un moment. Le CERA sera ravi de récupérer ces données. Merci. Moment. Déplacement rapide X. Confirmé. Ouais, je me rappelle, je jouais au 2, c'est pareil, j'ai joué solo. Et j'avais rencontré un Allemand. Et j'avais fait une mission avec lui. Ouais. Et du coup, j'avais joué plusieurs soirs avec lui. Excellent. Ah, c'est comme moi sur Overwatch. Je suis sur le point d'entrer dans une zone de sûreté. Avec les Anglais. Mais j'avais rejoint leur Discord et. J'avais assez mal de crâne, j'ai cru que j'allais mourir. Meilleur matos de la ville. Ah, véridique, je te jure. C'était affolant. Chercher de la flotte. Ouais, vas-y, vas-y. Bon, ça, je peux le vendre. Ça, je peux le vendre. Ça, je peux le vendre. Ça, c'est compatible avec le G36. Et un bon remerciant. C'est le G36, ça, ouais. Donc mode.
Viens jeter un œil. Alors, je vous entends déjà. Ah, parce qu'en ce moment, en plus, je sais pas trop quoi jouer. J'ai les jeux du Game Pass à faire. Si, ouais, je voulais jouer à Resident Evil 7. Là. Ouais, ah, j'ai vu qu'il est sur Xbox. Là. Ouais. Ah, j'ai vu ça. Ouais. Bon, attends. J'arrive 2 secondes en vocal. Bon, les amis, on va s'arrêter là. Pour actuellement, maintenant, on va attendre que notre cher Maxime aille installer le jeu pour pouvoir jouer avec lui. En tout cas, YouTube, j'espère que la première vidéo t'aura plu. Il n'y aura pas eu de ragement, on ne se sera pas du tout énervé. Ce n'est qu'une illusion d'optique. En tout cas, j'espère que la première partie t'aura plu. Il y a d'autres parties qui arriveront. Je te souhaite une bonne après-midi et je te donne rendez-vous d'ici une petite heure pour la suite de nos aventures avec Maxime. Ciao, 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 ciao.